Si un homme ne peut pas abandonner son ex par amour pour toi, sa femme, il ne t'aime pas. Il aime son ex. Parce que aimer, c'est choisir. Et choisir, c'est exclure. Comme disait quelqu'un, si ton mari ne peut pas abandonner une copine dehors pour toi, il aime cette copine plus que toi. Il ne t'aime pas. Quand on aime, on se sépare de tout ce qui peut blesser la personne qu'on aime. C'est la même chose. Tu peux dire que j'aime Dieu. Ce n'est pas les paroles, c'est les actions. Là, l'amour, c'est pas le c'est la démonstration. Oh chérie, je t'aime, chérie. Tes cheveux, c'est devenu comme pour Samson. Il ne peut pas enlever 5 francs. Il te donne. Voilà, chérie, on va te coiffer. Mais le gars est toujours pèse-pèse. Il change les chaussures, les habits tous les jours. Toi, la femme qui dit qu'il aimait, il ne peut pas réfléchir, te donner pour que tu aies aussi des habits. Il ne t'aime pas. Quand tu aimes, l'objet de ton amour est l'objet de ta vie, la raison de ta vie. Tu vis pour la personne. Quand tu choisis une femme et que tu aimes cette femme, aucune autre femme ne sera plus belle devant toi que ta femme. Aucun autre homme ne sera plus beau devant toi que ton mari. S'il y a encore des femmes prêtes à séduire ton cœur, c'est que tu n'as pas aimé ta femme. Ton cœur n'a pas été verrouillé sur ta femme. S'il y a encore des hommes prêts à séduire ton cœur, que ton mari, tu n'as pas aimé ton mari. Le vrai amour exclut le reste.